Sur la dernière vidéo, nous avons exporté notre fichier qui contient la clé publique et nous avons importé, donc nous avons ce fichier du clé, nous avons utilisé le serveur d'Ubuntu et on l'a importé à partir d'un fichier. L'objectif de cette vidéo, c'est de envoyer ce fichier à partir d'un compte, par exemple, Brahim, le fichier qui contient la clé publique. On va l'importer à partir d'un fichier. Donc, le fichier est là comme non. Ibra.jpg. Je coupe ce fichier. Le volume, par exemple, de Ismail. Je me connecte en tant que Ismail. Voici ici pour importer. Partir de moi, import et le ID de la clé de Ibrahim. Donc je fais ici. C'est ça, j'ai déjà copié le ID de la clé. Donc je fais GPG moi, import. Je coupe le ID. Non, il faut indiquer le fichier. J'ai pas indiqué le fichier. Faut indiquer le fichier. Moi. Import. Très bien. Vous voyez, le fichier a été bien importé. Donc, je peux vérifier, comme on a dit, je peux le rendre en JPG, moi, fingerprint, et le JPG, moi, fingerprint, et le ID de la clé. Voici l'image d'empreinte. Donc, vous pouvez demander à la personne c'est quoi votre empreinte et vous la comparez à l'empreinte de la clé. Donc, le trousseau des clés, elle contient vos clés publiques et les clés publiques importées. Listez le trousseau. On l'a déjà utilisé pour taper, pour suivre les notes de cours. Donc, si je fais gpg moins list moins d, je trouve la clé Ibrahim. Parce que dans ce compte, je n'ai pas généré la paire de clés publiques et privées. C'est ça, donc je vais trouver la clé publique aussi et privée. Et là, la clé publique de mail. Lister les clés signé, je pense que j'ai pas ici de clés signées. Par exemple, je fais simple pour lister les clés signées, je fais gpg moins moins liste moins sig et finalement, je peux effacer
cette clé. Je peux l'effacer en tapant GPG. Delete. J'ai supprimé cette clé du porte-clé, oui. Je retape ici. Liste. Voici, j'ai pas de clé. La seule clé importée publique de Brahim a été supprimée. Donc, si je tape, si je veux lister mon trousseau, j'ai pas de clé. Donc, je me contente de cette partie d'enregistrement et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.